Donc ça faisait un mois qu'on n'a pas fait de vidéo sur le lavage mortuaire. Et ici, vous avez donc le témoignage d'une sœur qui s'appelle Dr Hala. Je crois c'est Samira Hala, quelque chose comme ça. Donc personnellement, j'ai déjà vu plusieurs reprises sur Internet. Je pense que c'est une prédicatrice, mais j'en sais pas plus. C'est une égyptienne parce qu'elle parle avec un accent égyptien. Je crois qu'elle s'appelle Hala Samir, c'est marqué ici. Donc ici, elle parle de ses expériences avec le lavage mortuaire et en même temps, elle parle un peu de ce qui se passe après la mort. Et comme vous le savez, il n'y a pas de meilleure exhortation, comme je le répète à chaque fois, que penser à la mort, celle la destructrice des plaisirs. Bismillah. ايام مصر كنا بنغسل يعني كنتش اروح ارض اغسل حد الا لما اسال اهلي بتصلي ولا ما بتصليش Donc elle explique qu'à l'époque, quand elle était en Égypte, elle lavait les morts, mais elle posait toujours la question de savoir est-ce que ce défunt priait ou pas. بتصلي اروح ليه؟ لان انا عارفه ان انا هشوف حاجات لا هقدر ان انا يعني اكمل بيها الحياه بعديها. Donc elle dit que si la personne elle prie pas, elle refuse de laver cette personne parce qu'elle dit elle sait qu'avoir des choses horribles. اللي ما بيصليش ودي واحده قالت لي مره وكده ورحت يعني مش عايزه اقول لكم على المنظر يعني ما كانتش بتصلي وعليها حقوق للعباد. Donc elle dit qu'une fois elle a lavé une défunte malgré qu'elle priait pas et elle dit en plus que le fait qu'elle priait pas, elle avait aussi des droits. Les gens avaient des droits envers elle, d'accord. Donc ça veut dire qu'elle avait sûrement des dettes envers les gens. La dette, ça peut être de l'argent que vous devez, mais ça peut être aussi vous avez lésé des personnes dans leur intégrité, dans beaucoup de choses, d'accord. Ça rentre dans le hukouk d'une manière générale. Mais elle portait le niqab. Et elle apprenait aussi le Coran avec elle dans le Maqra. Je pense que c'est l'endroit où ils apprennent le Coran. Je ne connais pas bien le dialecte égyptien. Si en Europe, on me le confirmer dans les commentaires. Donc apparemment, cette personne qui portait le niqab et après le Coran avec elle, elle faisait pas la salat, elle lui avait pas dit. Donc apparemment, elle lui avait dit qu'elle faisait la salat, d'accord. Elle a dit, et chaque fois qu'elle lavait son corps, son visage se noircissait de plus en plus. Et vous voyez que dans les témoignages des personnes qui lavent les morts, c'est toujours, toujours les mêmes témoignages qui reviennent, d'accord. Il y a un moment, quand il y a une pluralité de témoignages, vous pouvez pas dire que les gens se sont concertés pour mentir. يسود يا اخوات بطريقه غير عاديه كل ما نغسل غسل التاني التالت خلاص بنحطه وهنقفل الدرج الوجه اسود تمام فحمه والفرق ما بين الوجه وباقي الجسد فرق رهيب. Il a dit son visage était comme du charbon et il y avait une différence entre le visage et le reste du corps. Donc le corps avait une couleur normale le reste. وهي شافت. En plus, subhanallah, si je me trompe pas, il doit y avoir un verset ou un hadith sur le fait que la personne qui ne fait pas salat, son visage sera noirci. Oui, il y a le verset, Yawma tuswaddu wujuh, le jour où des visages seront noircis. وانتي انا زعلانه انك انت ما صدقتنيش القول بنقفل قبل الدرج السنه. Donc elle a dit apparemment à quelqu'un, un membre de sa famille, de pas dire à sa mère
ce qu'elle vient de voir, d'accord? On va pas vraiment rentrer trop dans les détails, mais elle lui dit voilà, si elle a des droits, elle a lésé des personnes, il faut régler ces problèmes-là, d'accord? S'il y a des manquements, il faut les combler. انك بتجيبي بقى اهلها والمحبين وعيالها ويشوفوها. وقالت هي قالت لا، المنظر رهيب، ما الفرق ما بين النين العين الاسود والبتاع، السواد كله سواد يا اخوات. Elle dit que donc sûrement sa sœur ou quelqu'un proche de sa famille donc elle a empêché donc la famille de lui rendre visite tellement que c'était impossible à voir son visage. Elle dit on peut même pas distinguer l'œil du reste du visage tellement que tout le visage est noirci. وجات الاخت لما بنقفل قامت جايه دمعه نازله من عينيها. طبعا انا اللي بغسل والغسل امانه يا اخوات، فالتنشيف بتاع الغسل امانه، انا عامله بايدي، فاستحاله اكون سبت ميه، لكن الميه نازله عشان من عينيها. بتبكي بتبكي، اول ما تؤخذ الروح كأن صوف في قلب شوك، بتطلعي صوف من شوك، ويثبت الميت في فراشه بملائكة من قدميه إلى رأسه، ويجلس الملك اللي هياخد سواء اللي بياخد روحه عند رأسه، وتسحب الروح من إيه سلامية سلامية، من فقرة فقرة من الجسم، تسحب الروح كأن صوف بيطلع من إيه من شوك. Donc elle a vu donc une goutte donc sortir de l'œil de cette personne comme si elle pleurait alors qu'elle elle avait pas mis de l'eau et donc ça la personne qui était à côté d'elle qui participait au lavage mortuaire elle lui a dit elle pleure elle lui a dit non elle a dit elle est en train de souffrir et elle explique comment l'âme de la personne qui est mécréante ou mauvaise comment lorsque l'âme sort du corps elle explique que c'est comme c'est comme si vous sortiez de la laine, d'accord, d'épines. Imaginez-vous que ce qui est laineux, vous le sortez d'épines. Ça va s'accrocher, ça va s'accrocher, ça va sortir difficilement. Et elle dit que le ruh, l'âme, sort tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout en sortant à travers, comme si on extirpait cette âme d'entre les épines. Il y a un livre d'ailleurs qui explique très bien ça. Alors je ne sais pas si tout est authentique dedans. C'est le livre de l'imam Al-Ghazali, La perle précieuse. Je pense que vous pouvez le trouver très facilement en français. يقول لك لو تركوه لولى في البراري والصحاري من شدة الألم، سحب الروح من الجسد، فتخرج روح المسلم المؤمن كالمية من فيه السقاء سهلة، وتخرج في عرق، والآن يخرج فيك. Tandis que l'âme du croyant, elle sort, c'est comme si de l'eau sortait du récipient, ça coule, ça sort très facilement. إنها تدب فيه المناشير، يأخذها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، يطلع بيها ملائكة العذاب لا تفتح لهم السماء، وريحته وحشة ما هذه الرائحة الكريهة، ولا تفتح له أبواب السماء، وينادى بأقذر وأكثر الأسماء اللي بيكرهها في الدنيا. Et lorsque donc l'âme du mécréant ou de la personne mauvaise sort de son âme, donc il y a, comme vous savez, il y a soit c'est les anges du châtiment ou les anges de la miséricorde qui prennent l'âme selon ses actions. Donc ils se disputent à savoir qui va prendre son âme. Et lorsqu'ils prennent l'âme, donc il y a une mauvaise odeur, ils l'appellent par ses plus mauvais noms et le ciel lui interdit. D'accord? Le ciel ne s'ouvre pas pour les âmes mécréantes et les mauvaises âmes, les âmes de la bassesse. Alors, quand tu as vécu toute ta vie pour de la bassesse, tu vas dans le bas. Quand tu as vécu toute ta vie pour des choses célestes, des choses élevées en or, en lumière, tu vas vers le haut. C'est comme ça que ça fonctionne. تطلع بعكس كده، عشان كده ما كنتش برضه اغسل ابدا، حد ما بيصليش ابدا، بتعب بتعب، جوارحي بتتعب بعديها. Donc elle explique que le croyant c'est le contraire, bien sûr on l'appelle par ses plus beaux noms, c'est tout le contraire dans tout, le ciel lui est ouvert et elle dit c'est pour ça qu'elle ne veut pas laver les corps des personnes qui ne font pas la prière parce qu'elle dit après tous ses organes se fatiguent, son corps entier se fatigue, d'accord?
Et ça, j'y crois un peu, parce que quand vous faites la ruqya, par exemple, quand vous faites la hijama, vous avez l'impression que vous aspirez un peu tout ce qui est les mauvaises ondes de la personne. لان الغيبيه الوحيده اللي انت شايفاها قدامك الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين اول حاجه مين دول مين المتقين هدى للمتقين دول مين اول صفه الذين يؤمنون بالغيب طب الغيبيات كلها احنا مش شايفينها يا اخوات لا احنا شايفين جنه ولا ملائكه ولا شايفين الكلام ده لكن ايه الغيبيه الوحيده اللي شايفينها الموت Donc elle explique entre autres pourquoi donc elle ressent ça. Elle dit c'est du ghaïb, nous on le voit pas, mais c'est réel. Nous on le voit pas, mais c'est réel, d'accord? Et c'est ça le ghaïb. Et Allah Azzawajal, quand elle dit que le Coran c'est une voie houdan lil muttaqin pour ceux qui craignent c'est qui? Alladhina yu'minuna bil ghaïb, ceux qui croient en l'invisible. C'est une grande qualité de croire en l'invisible. Et quand tu y crois, non seulement tu y crois, mais tu sais que c'est présent, eh ben, tu sais les interactions qu'il peut avoir avec l'invisible. دي الحاجة الوحيدة اللي قدامك شايفاها. أختي التانية اللي بحكي لكم عنها كانت ده وأحسب إن ده صيتها في السماء بتصلح بين الناس. وجينا بنغسلها ودايماً بحكي القصة دي. إنها حاجة أنا عشتها. بنغسلها في الدور الأرضي في بدروم فما فيش أنوار. فطلبنا كشاف، فطلبنا كشاف يا جماعة. Donc là, elle parle du cas d'une sœur. Elle, par contre, c'est une sœur pieuse, en tout cas d'apparence. Elle dit donc, elles l'ont lavé, mais c'était dans le sous-sol, d'accord? Donc elles avaient besoin d'une lampe. فتحنا الشباك ما نقدرش نفتحه جامد لان الناس في الشارع هيروا فعملنا ضوء بسيط كده عبال ما يجيبوا كشاف Donc elle ne peut pas utiliser la lampe parce qu'il y a une petite fenêtre qui donne sur la rue. Donc c'est ça, c'est le sous-sol. Peut-être dans les maisons en Égypte, c'est comme ça. Et donc elle dit qu'elle ne pouvait pas donc utiliser. Elles ont mis une petite, toute petite lumière comme ça, afin qu'elle voie. وما فيش نور في قلب البدروم دور تحت الارض Et elle explique que c'est sombre. La pièce, elle est sombre parce qu'il n'y a pas de lumière. Hein, c'est dans le sous-sol. ف واحنا بنغسلها ابتدى كل شويه يعني ايه النور بدانا بقى وبتاع والكلام ده وايه انتبهنا في نص الغسل كده ان ما فيش نور بس احنا شايفين Donc en fait, elles n'ont pas mis de lumière, d'accord? Elles n'avaient pas mis de lumière. Elles pensaient avoir mis un peu de lumière. C'était éclairé un peu, mais elles ne savaient pas d'où cette lumière venait. Donc en lavant le corps, elles se sont rendues compte qu'en fait, elles voyaient alors qu'il n'y avait pas de lampe, il n'y avait pas de lumière, rien n'était éclairé. Et vous allez voir que ça rejoint aussi le témoignage de vidéo de la vache mortuaire que j'ai mis sur ma chaîne, où vous avez les mêmes témoignages similaires avec des personnes qui ne sont pas censées se connaître. والكشاف كان لسه جاي قلت لهم ما تشغلوهوش ما تشغلوهوش فدينا الكلام ده بنقفل على الوجه انطفى النور Donc elle a compris que la lumière émanait du visage, parce que quand elle couvrait le visage, il n'y avait plus de lumière, subhanallah. Et ça nous fait penser à l'autre histoire, où là, c'est le cas contraire, c'est le visage qui se noircit, et là, c'est le visage qui s'illumine. Yawma tuswad de wujuh, yawma tubyad de wujuh, wa taswad de wujuh, le jour où s'illuminera des visages, s'illumineront des visages, et des visages, d'autres visages seront noircis. بنفتح المكان كله مضيء قلت لهم لا ده انتوا بتجيبوا لنا اهلها وحبايبها يخشوا يشوفوا تعالي قولي لي امك كانت بتعمل ايه تقول لي امي ما كانت بتسيب السبحه من ايدها كان عارفه فاكرين السبحه الالف في سبحه الف كده في مصر سبحه طويله كده سكوها الناس الكبار في السن وكانت تصلح بين الناس Donc après, elle a dit à sa famille de venir voir, d'assister. Et sa fille, elle disait, elle parle de sa mère, donc c'est sa mère qui était lavée. Elle dit, ma mère déjà, elle a un chapelet de 1000 perles. Alors on va pas rentrer dans le débat permis, pas permis. Bon, on sait que les compagnons comptaient le nombre de rak'at, comptaient le nombre de tesbih qu'ils faisaient avec des cailloux, des petits cailloux. Donc personnellement, je vois pas trop de différence entre des perles et comment dire, des perles et un chapelet. Quoique le chapelet, certains disent que c'est une imitation des chrétiens
et des juifs et des chrétiens. Mais bon, il faut savoir que à la base, dans ces trois législations, il y a beaucoup de choses communes, d'accord? Faut pas être étonné de ceci. Et donc, elle explique qu'elle avait un chapelet de 1000 perles. Donc, imaginez, vous faites du tesbih avec 1000 perles. C'est-à-dire que vous faites énormément de dhikr et vous connaissez, vous savez que le dhikr illumine le visage, d'ailleurs, comme la prière de nuit. Et elle disait aussi, une autre particularité de sa mère, c'est qu'elle, comment dire, elle réglait les litiges entre les gens, d'accord, en faisant en sorte que les gens puissent s'entendre et elle réglait leurs litiges. ما في حد يجي الا وتيجي تصلح. لدرجه مره جت لها مرات ابنها، بصوا العدل بصوا العدل، عشان بس ما نقولش ايه ده ذوي القربى، لا حميه الجاهليه. جت مرات ابنها قالت لها ابنك عمل كذا وكذا وكذا، وكان يرضيك الامر وانا جايبه، انا لا هروح لاهلي ولا كذا، انا جايه اقول. فابنها ده طويل كده، فطلعت الحاجه ديت، الموقف ده انا حضرته، طلعت الحاجة دي فوق الكنبة تقول له يا ابني طلعني سندني، يا اما قالت لها تطلع، وقامت جاية ماسكة الشبشب. ما عندناش رجالة يضربوا الحريم، ما عندناش رجالة يعملوا اللي كذا، جاية من بيت أهلها غريبة عندك، ولو شفت كذا واجري صالح مراتك. Donc apparemment, elle explique qu'elle était aussi juste, apportant la justice, l'équité, au point où elle ne prenait pas obligatoirement le parti de ses proches, en l'occurrence de son fils, qui avait fait, je crois, il avait soit frappé sa femme, ou il avait fait quelque chose. Et donc, son épouse, je pense que c'est son épouse, elle s'était plainte à sa mère, donc à cette dame, à cette défunte. Elle lui a dit, voilà, moi, j'ai pas ramené ma famille, j'ai pas plaindre à ma famille, mais ton fils, apparemment, il l'avait frappé. Donc, elle a fait quoi? Elle est montée sur le canapé, donc sa mère, et son fils était quelqu'un de grande taille. Elle a pris les claquettes, elle a commencé à lui taper sur la tête, elle a dit, nous, il n'y a personne, personne frappe les femmes, en fait. Pour dire qu'elle a pas pris le parti de son fils comme beaucoup auraient fait. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est, c'est une exception, hein, ça ne court pas les rues. الحكم بالسوية حتى لو ذوي القربى. فقلت لهم قولوا لي لازم في حاجة كمان، ده معاملات، فين العبادات؟ قالوا لي اه، يومها بيبتدي من قبل الفجر، تصلي القيام لحد أذان الفجر، وتفضل لحد صلاة الضحى تذكر ربنا وتدعي وتصلي الضحى، وبعدين ترش قدام البيت مية وتحط المية لده، أي عامل معدي تعالى كله اللي موجود في البيت. Donc elle explique, elle lui a dit, bon d'accord, ça concerne les actes de piété, mais concernant le muamalat, ou le contraire, un des deux, donc elle lui a dit, il est obligé, il y a quelque chose d'autre que ta mère a fait, elle dit, donc elle prie le fajar, elle fait du dhikr, donc jusqu'au dhuha, d'accord, et ceux qui font ça, eh bien, surtout à la mosquée, vous avez la récompense d'un pèlerinage et d'une omra, si je ne me trompe pas, ou d'une omra. Et ensuite, elle dit qu'elle, donc, elle, je crois qu'elle met de l'eau devant sa maison et elle remplit, elle met de l'eau, je sais pas, soit elle met des bouteilles d'eau ou ainsi de suite, pour tous ceux qui viennent travailler, qui passent, qui travaillent et puissent comme ça prendre de l'eau et boire s'ils ont soif. حياة جميلة دي. استنى ان وجهها هينور النور اللي بقول لكم ما شغلناش كشاف يا اخواتي، ده امر انا شاهد عليه امام الله عز وجل. Elle dit, voilà, c'est son visage qui illuminait. Et elle dit, on n'a pas pris de lampe. Et elle dit, je témoigne devant Allah Azza wa Jalla de ce que je dis. انت مين؟ انت مين يا اخويا؟ الدنيا طيب، انت بقى مين؟ Donc, dit, tu es qui? Tu es qui? Donc, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc, en espérant que ça soit une bonne exhortation et vous passiez un bon jeûne. Je ne sais pas si vous avez coupé le jeûne. Vous avez déjà coupé, vous allez couper, donc sahaf tulkum.